Salut à tous et à toutes, ici Shakeler, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se trouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Du coup, on n'est pas du tout là où j'étais, je vais baisser le son de mon casque parce que sinon vous allez entendre un écho. Voilà. Du coup, on n'est pas du tout là où on était, j'ai visité la carte. Visité dans le sens, je me suis baladé, je me suis pas arrêté, j'ai mis des tampons aux endroits qui avaient l'air intéressants. Et j'ai validé les sanctuaires. Sans les faire, je les ferai avec vous, pour tout simplement que nous partagions l'expérience ensemble. Du coup, j'ai vu des endroits comme celui-ci qui a l'air fun, ou celui-là, là-bas, voilà. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de les faire avec vous. L'exploration, il s'est pas passé grand-chose. Je voulais aller dans les bois là-haut avec vous. Du coup, on risque de faire une vidéo actuellement où il se passe que les sanctuaires, pour être très clair. J'ai été absent dernièrement, oui, j'ai des vidéos de côté, mais elles ne seront pas en ligne avant un petit moment. J'ai déménagé, je suis enfin chez moi, donc j'ai emménagé. Et le temps d'avoir internet et tout ça, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc j'espère que ça viendra assez vite, parce qu'au moment de la vidéo, normalement je ne l'ai pas encore. Nous sommes le lundi, et normalement j'ai un technicien qui passe mercredi. Du coup, il ne nous reste plus qu'à prier. Du coup, je peux parler un peu plus fort, ce qui fait que je devrais peut-être baisser un peu le son de mon micro. Comme ça. Voilà. Du coup, j'ai activé les sanctuaires, mais je les ai pas faits. Alors, c'est parti. On va pouvoir enfin se les faire. C'est agréable de parler à voix un peu plus haute, parce que devoir chuchoter, c'est... Je sais pas, c'est pas pareil, c'est pas moi, quoi. C'est se retenir. Hop, on va passer les cinématiques. Créer sa propre voix. Ok. Hop, ça c'est facile. On ouvre la porte. Là-bas, je vois un coffre. Ah, je crois que c'est... Oui, c'est un coffre. Là, il y a des escaliers. Oh! Tac, tac. Et voilà. Cool, une lance. Ok, du coup jusque là c'est assez facile. Donc là on a deux options. Ah. Ok. Ok. Bon bah écoutez. Ok. Et pourquoi ça? Ok. On peut ouvrir la porte ou casser les rochers. Très bien. Ah, du soldat, j'en ai pas besoin. J'ai des meilleurs équipements. Ok. Ok, j'ai compris. Tac. C'est parti. On va grimper. Ça se bouge ça? Non, c'est trop loin. Est-ce qu'il y a quelque chose par là-haut qui me permettrait de grimper? La vraie question. Les vrais strats. Parce que là j'ai une porte, mais j'ai un coffre. La question c'est, est-ce que par exemple... Oui, c'est bien ça. Du coup, le casser, ça me permet de faire un pont. C'est pour ça qu'il y avait une utilité à casser cette plateforme. Hop, on va annuler. Hop, on va éviter de se tuer. Donc si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est mon chien. Ne vous alarmez pas. On va l'approcher. Ok. C'est un peu chiant. Ah cool. Ça
ça dépend un peu de l'angle que tu prends. Voilà. Donc, de là. Comment je peux bouger tout ça? Je suppose qu'à la... truc de métal. Excusez encore mon chien qui fait un barouf monstre, ce qui est très embêtant, mais elle pète un plomb depuis que je suis rentré tout à l'heure. Comme j'étais au travail, elle ne se retient plus. Des opales, c'est bien, c'est de l'argent. On va refaire un pont. C'est pas par là, c'était par là. Du coup, hop. Y a pas moyen de faire une rotation d'un objet, c'est très très chiant. Du coup, il faut genre le ramener vers vous, le poser, se mettre dans le bon angle, qui n'est pas celui-là, si c'est là. Et le placer. Magique. Et on recommence dans l'autre sens pour le déplacer. But. Voilà. Enfin, après, il y a peut-être un moyen et je suis juste mauvaise langue. Hein. Tac. Et voilà. Du coup, dans cette vidéo-là, nous allons certainement faire que des sanctuaires. Hop, un emblème. Parce que j'en ai mis pas mal de côté, je crois qu'il y en a une douzaine. Je fais pas les noix, comme vous voyez, j'en ai 28 encore de côté. Je fais pas les noix avec vous, parce que bah, y a pas grand intérêt que vous voyez ça. C'est juste quand on se balade, c'est toujours les mêmes choses en fait. Un bloc à placer, une sorte de lumière à rattraper, des cibles à toucher avec l'arc... Mais rien de bien impressionnant. Il n'y a pas de challenge différent, c'est toujours les mêmes en fait. Alors en route, il va y avoir beaucoup de téléportations du coup dans cette vidéo. Hein. Je repréviens. Il va pas se passer grand chose. Enfin, pour ceux qui bloquent sur un sanctuaire, tant mieux. Les énigmes, comme j'ai dit, des Kogoro, je les montre pas parce que bah, c'est des énigmes faciles. J'ai pas montré les grandes tours qui permettaient de découvrir la carte, mais c'est toutes les mêmes. Je suis un peu déçu de pas avoir montré celle des plaines du château d'Hyrule parce que il s'est passé pas mal de choses quand je l'ai grimpé. J'étais au boulot en fait et je me suis fait tirer dessus par des gardiens de tous les côtés pendant que je grimpais. C'était magnifique. Désolé de pas vous l'avoir montré. Peace. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Enfin, si j'avais le choix, mais j'avais envie de jouer. Et voilà quoi. Sanctuaire de Meio. Ok, jusque là c'est facile. Hop. Voilà. D'accord. Apparemment, on ne peut pas utiliser nos pouvoirs ici. Par pouvoir, je veux dire les, comment dire, la résurrection et tout ça. Oula, je vais me faire assommer. Épée de chevalier. Ah, c'est intéressant ça. Que j'ai une autre arme que je voudrais acheter. Non, pas vraiment. Alors, ok. Jusque là, ça va. Tac, hop. Oh purée, je l'ai raté. Hop. Donc jusque là, c'est facile, hein, dans l'ensemble. Je pense pas qu'il y ait vraiment de sanctuaire qui sera si difficile que ça. Mais bon, je vous les montre au cas où, je sais pas si ça intéresse quelqu'un ou autre.
il me faut. Je reviens. Hop. Je suis quasiment sûr que je peux le faire passer. J'ai envie de récupérer le bloc. Je pourrais me servir du coffre. À mon avis, le coffre est plus lourd que moi. Mais j'aurais pu me resservir aussi de ceci. Donc, ouais, je vous le montre comme quoi c'est faisable. Après, je me trompe peut-être et c'est peut-être pas passable par la porte, mais je parie que ça passe juste. Voilà. Donc, je suppose aussi que je pourrais, comment dire, largement. Hop. Utiliser le coffre. Oh. Ah. My bad. J'ai pas compris. C'est lui qui va m'aider. Voilà. Est-ce que je peux. Voilà. Nickel. Ça m'évite de. Regrimper. Hop. Ça, on grimpe. Hop là. Alors c'est tout simplement, comme vous voyez en bas, les balances sont face à face. Du coup, c'est côte à côte et pas dans l'angle que j'avais commencé au début. Voilà. Suivante. Donc on en a fait deux en 10 minutes, 12 minutes. On a récupéré de quoi faire une amélioration. Allez. On va passer tellement de temps dans les écrans de chargement à se téléporter et tout que c'est dommage quand même. Je préférais les passer à jouer quoi. Alors ici. Je sais, vous voyez pas beaucoup de décors du coup, mais je me baladerai à l'occasion pour vous montrer ce que j'ai vu. J'ai pas vu grand chose de très très impressionnant, c'est juste un décor assez beau dans l'ensemble, mais qui contient souvent les mêmes choses. Enfin, c'est toujours différent, dans le sens où on voit des endroits chauds, des endroits froids, des endroits humides, avec une sorte de forêt au sud. Une forêt un peu tropicale à la. La seule que ça me rappelle comme ça, c'est WoW. Je sais plus comment elle s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Sanctuaire. Ça sent le combat. Alors avec les sanctuaires comme celui-ci aussi, qui sont pas ultra complexes, mais bah, il faut faire quand même quoi. J'ai envie. Ouais, ça fait rien. Ok. J'ai pris cher. Il me reste pas énormément à manger. On va prendre ça et un radis. Il va tourner. Il me faut une meilleure arme, sinon je vais jamais réussir à le faire. Je vais prendre mon épée. Il va tourner. Il va retourner.
Ouh, c'était juste. J'ai cassé mon arme, c'est un peu dommage. On va prendre ça. Les masses détruisent très facilement la défense en ensemble. Par contre, je viens encore de casser une arme. Ok. On va prendre ça. Boum. Voilà. Ah, il va laser. Oups. J'étais pas sûr si je le tuais, du coup j'ai hésité à taper. Ah, j'aurais dû taper, j'ai paniqué. Ouh, j'ai eu de la chance. Hop, une hache de gardien. Je devrais prendre des photos. Ah, à chaque fois, hein, c'est incroyable. Oui, j'ai pris la photo d'un boss, qui est aussi un monstre de quête. On me demande de... Non, on me demande de garder la photo. J'ai découvert ça en me baladant. Tout ça, quoi. Bouclier de gardien 2.0, c'est sympa. Trans. Pas mal d'objets. Faudrait que j'aille revoir la scientifique. Si j'ai assez. Un arc de chevalier, on s'en fout un peu. Enfin, je pense. J'ai quoi comme arc? Enfin, je me dirais. Ça, je pense que je peux le jeter. Non! Voilà, il faudra plus d'emplacement d'arc. Blablabla. Du coup, je vais faire une vidéo plus longue qui va contenir les sanctuaires au cas où. Donc, n'hésitez pas à passer cette vidéo si ça vous plaît pas. Dans le prochain épisode, je vais faire de l'exploration. Donc, j'avertis, il n'y aura pas d'histoire dans cet épisode-là ni dans le prochain. Et l'épisode d'après, il risque d'y avoir de l'histoire. Celui-là risque d'être un peu long. Je vais peut-être même le couper en deux. J'hésite. Je verrai bien en fonction du temps que ça me prend. Parce que en 20 minutes, j'ai fait que 3 donjons, je crois. Ce qui n'est pas énorme. Je m'attendais à faire beaucoup plus parce que j'en ai pas mal de côté, comme vous voyez. Et du coup, on n'a pas fini. Celui-là, je l'ai trouvé, il était derrière une cascade, il y a un tout petit chemin sur la gauche qui vous y amène. C'est très sympathique. En fait, je me baladais ici, j'avais mis un marqueur, si vous vous rappelez, où j'avais vu une grosse lumière orange derrière la cascade, en fait, du coup. C'était évident que c'était pas des fruits, quoi.
Ok. Là on a un coffre. Là on a de l'eau. Bon, jamais je suis assez loin. Ok. Un coffre, basique. Hop, ça c'est à moi. Ok. Donc je suppose qu'un coffre ne sera pas assez. Mais bon, avant de le donner, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Opale. Voilà, on va aller à l'étage, hein, écoutez. Ah. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen que je l'atteigne d'ici? Ah, oui, effectivement. Il y en a un. Une corde. Ah ah! On va le ramener. Épée Zora. Ouh! Faites-moi voir ça. Ah, elle est jolie. Elle est très jolie. Je vais prendre une photo. Bouclier de chevalier. On va le sauvegarder. Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'épée. J'ai pas un angle où j'ai l'épée. Hop. Elle est très jolie comme épée. Voilà. Non, pas ça. Non. Voilà. Hop, on va l'éloigner. Splouche. Ok. Ok. Troisième étage. Ok, c'était facile. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de challenge. Je pense que je vais faire deux vidéos de 30 minutes. Ça devrait peut-être faire... Ouais, il faudra peut-être plus que ça, en fait. Mais bon, je pense que faire les sanctuaires avec vous, c'est quand même plus important. Parce que déjà que j'ai exploré les... Enfin, j'ai activé les tours, c'était pour avoir un accès plus facile au sanctuaire et autres. Et puis, vous donner des belles visibilités à l'avenir, quand on ira. Parce que je compte y aller, ne serait-ce que jeter un œil. J'ai pas... Enfin, après, les tours sont toutes basiques. Il n'y a pas vraiment de challenge particulier pour aller à une tour. C'est... J'en ai une où j'ai dû sauter d'une colline à la rigueur et nager un petit peu pour la grimper, elle était au milieu d'une sorte de lac. Il y en a deux qui sont manquantes parce que je n'ai pas de tenue assez résistante au froid et je ne voulais pas acheter une tenue hors caméra. Enfin, pas que... Voilà, vous m'avez compris quoi, je sais que c'est dans le nouveau village, c'est pour ça que j'ai pas été l'acheter. Parce que techniquement, bah, je préfère expérimenter le nouveau village avec vous, ce qui fait que la zone des piafs, je n'y suis pas encore allé. J'ai tenté d'explorer les alentours, comme j'ai dit, mais trop froid. Beaucoup trop froid. Puis j'avais pas de potion de résistance au froid. Ok. Ok.
la question, c'est que je dois allumer toutes les torches, je suppose. Ou juste celle du bloc d'à côté. Là, il y a des... Est-ce que j'ai des flèches de feu? Non, j'ai pas. Est-ce que je dois juste allumer ce bloc là? Parce que si oui, c'est facile. Il suffit de... Hop. Hop là. Voilà. Réfléchissons. Il y en a une qui tire un jet d'eau, c'est ça? Du coup, il faut que je tourne, si je tourne ça comme ça. Techniquement, si je bourrine, celle-ci elle va s'éteindre. Ah, mais celle-ci va s'éteindre aussi. J'avais pas remarqué que elle, c'était le jet d'eau. D'accord. La rotation par ici. Oups. Non, ça c'est le jet d'eau. Ah, il y a combien de jet d'eau? Mais là j'ai plus rien qui est de feu. Ok, je dois sortir, je crois que j'ai fait une erreur. C'est pas cool qu'il y ait pas de bouton de reset. Faut vraiment prendre son temps à celui-là. Parce qu'à mon avis, là, j'ai fait une erreur. Ce qui implique que, bah, comme j'avais plus de flammes du tout, j'ai éteint toutes les flammes. Eh bien, ça marche moins bien. Ah, d'ailleurs, je viens de penser à un détail. Ouais, bon. Alors. Tac. Ok. Donc toi t'es allumé. Le jet d'eau il est en dessous. Est-ce qu'il y a un jet d'eau de l'autre côté? Il n'y a qu'un jet d'eau ou il y en a plusieurs? C'est ça la question surtout. Il n'y en a qu'un et il est en dessous. Ok. Ok, ok. Du coup, si... Ah, réfléchissons. Le côté du dessous... Techniquement, si je fais ça, j'ai rien à perdre. Oups. Ça m'allume juste le côté là-haut. Ok. Là, il est toujours en dessous. Lui, je dois l'allumer. Pour l'allumer, c'est facile, j'ai juste à faire une rotation. Pour faire une rotation, je dois taper celui-là. Là, ils sont tous allumés sauf celui du dessus. Mais je dis bien mais, si je venais à tourner celui-là, là, il y en a un qui serait éteint. Du coup, si là je te tourne, tu vas éteindre sud droite. Mais je crois que j'ai pas trop le choix. Voilà. Il faut que je tourne. Voilà. Ah, c'est bon en fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on est des professionnels. Voilà.
Voilà. J'ai raté la deuxième. Triste. Ouais, je la recommencerai après. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une opale brute. Ouais, j'ai raté la deuxième flèche. My bad. Du coup, on va faire ce coffre. Et on va s'arrêter là. Bon, l'énigme n'était pas si dure en soi. Elle est un petit peu chiante. Mais... il y a pire. Je veux dire, j'en ai vu une autre qui concernait un certain gyroscope qui m'a plus énervé que ça. Ok, c'est de la merde. Et en plus de ça, si vous avez des flèches de feu, oh là là, vous le faites mais en 2 secondes, parce que vous pouvez absolument tout tricher dans le jeu, il n'y a pas de problème. Si vous êtes arrivé ici avec des flèches de feu, félicitations à vous, vous pouvez tout allumer sans faire les lignes. Boum! Et une de plus. Du coup, on va s'arrêter là. Il va me falloir plusieurs vidéos pour faire tous les emblèmes et les sanctuaires. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé, de vous abonner pour rester au courant des dernières actualités sur la chaîne, et de commenter si vous avez quelque chose à me dire en particulier, surtout n'hésitez pas, je les lis tous, même si dernièrement j'ai pas de connexion comme j'ai dit, et du coup, je les verrai en temps et en heure quand les vidéos seront là. Sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, bye bye!